Mais c'est bien d'être de nouveau ensemble. Tu m'as manqué. C'est vrai, Athéna? Mais oui, c'est vrai. Je ne te l'ai jamais dit, mais tu es un ami précieux. Tu te souviens de la guerre de Troie? Qui pourrait l'oublier? Enfin, moi je pouvais. Mais maintenant, j'ai retrouvé mes souvenirs. Tu as dû affronter Scamond. Mes feux ont brûlé la terre pendant des jours, faisant s'évaporer les eaux et fuir tout le monde. Enfin, ce que les flammes n'avaient pas consumé. J'entends encore leurs cris. Ah oui. Moi, je n'oublierai jamais l'odeur de leur chair calcinée. Ah, le bon temps. Oui, le bon temps. Ouais, Kratos avait raison, hein. Tu as de l'électrum qui te brûle les poches. Kratos avait bien raison de tous les tuer. Ces dieux-là, les dieux grecs et tout ça, sont... c'est juste des barbares. Il y a un truc, faut que je dise, par rapport à, aux légendes et tout ça. Je parle pas de, de vos croyances et tout, on parle pas de ça. On va parler dans les films et tout. Comment sont portraits en fait, ça se dit de cette façon-là? Ou c'est juste moi qui prends une expression anglaise et qui l'adapte en français? Enfin bref. Quand on fait les portraits des dieux, la plupart du temps, genre... donc les dieux, genre dieu, le diable et tout ça. Comment on appelle ça? Les dieux... Merde. Ah, j'ai un truc... Bref. Et quand on compare après les dieux grecs et tout ça, on les fait différents. Et on fait toujours genre Odin, Zeus et tout. Comme plus ou moins des... Un peu des dieux barbares, j'ai envie de dire. Il y avait un truc assez marrant, c'était dans Supernatural, où il y a le diable du coup. Ça fait un spoil, c'est un peu spoiler, donc je sais pas, écoutez pas pendant 5 minutes. Ouh, c'est joli ces statues. J'ai vraiment fait attention la dernière fois. Où t'as le diable en fait, qui combat ses dieux et tout ça, et je sais plus comment il les appelle, mais c'est assez drôle dans un sens. En disant que, en gros, nos dieux à nous... Enfin, sont plus puissants que les dieux grecs et tout. C'est assez intéressant d'avoir les deux dans le même monde, dans le même univers. Mais même dans les films et tout, c'est plus ou moins comme ça à chaque fois qu'on en fait des portraits. Ce sont juste des dieux... Enfin, c'est des dieux plus humains que les humains, presque. Ils mentent, ils font des guerres pour rien, ils tuent, ils ont aucun égard envers autrui. C'est assez intéressant dans un sens, j'ai envie de dire. Mais ouais, c'est plutôt comme ça qu'on en fait des portraits à chaque fois. Qu'on en fait. Qu'on les montre en fait. Donc ouais. Comprend Kratos quoi. Faites pas attention à moi et vous resterez en vie. D'accord. Bon. Toi aussi t'en veux? Pas mal. Plein de boules partout. Pas mal, pas mal. Est-ce que j'aime bien ce truc de boule d'énergie là? C'est vraiment cool. Là-bas?
Putain de merde. Plusieurs mains, quoi, je suis en vise de passer mon doigt à travers le. Par-dessus. L'index en fait. Par-dessus. Pour valider la potion. C'est bizarre. C'est bizarre ce que je viens de faire avec ma main. Mais c'était pour pas enlever mon bouton de la direction en fait. Mon pouce de la direction. Je vais y arriver. T'es à combien? T'es juste là-haut? Ok. Alors j'avais dit qu'on allait sur la statue d'Arès. On va y aller. On va dire qu'on va prendre le chemin pour y aller. J'ai pas dit qu'on faisait ligne droite. Hein? Donc on se balade. Potion. Ouais, des dieux barbares. J'ai envie de dire presque. Pas mal ça, c'est pas mal. Quand j'essaye de faire à la Devil May Cry en fait, de faire des enchaînements. Ça c'est pas mal de faire ça. Après qu'on retourne, il faudrait que je retourne plus rapidement. Mais le problème c'est si je fais ça, ça va enlever énormément de la barre d'endurance. Pas de la barre d'endurance, la barre de confusion. Non. Donc en fait, je me laisse retomber, je tape. Le mieux en fait, ça serait, c'est quand, ce que je viens de faire, c'est de me reculer une fois. Parce que je viens déjà de consommer 5 barres, ok, en faisant ça. Reculer une fois, faire un petit sprint, faire ça. Comme ça, on a plein de barres. Plein de boules, pardon. Putain, je vais y arriver avec les mots, quoi. Plein de boules pour l'énergie. Et après, je peux enchaîner avec marteau et tout ça. Je crois que c'est pas mal, ça. Ça fait un bon enchaînement. Ouais, c'est pas mal. Il faut que je cale le. Il faut que je cale le sprint. Ah putain, le sprint épée. Plus souvent. Ouais. C'est vraiment vachement bien niveau endurance. Ça m'évite de consommer énormément de. Quoi? De consommer des potions. Allô? Pourquoi je peux pas? Non mais je suis con, qu'est-ce qui m'arrive? Ah voilà, ok. Je sais pas. Fais voir un peu. Elle a été forgée à partir d'une étoile tombée, guide les héros vers la victoire qui forme leur destin. Je préfère les couleurs de ça en fait. Surtout qu'on a tout l'équipement qui est assorti, enfin toutes les armes. C'est quoi ça? C'est juste du feu. On a une ambroisie. Elle est où? Elle est juste là. Ah
Nickel. Personne autour? Bon. J'ai vu qu'il y avait des gardes, je crois, sur notre gauche. Sûrement un combat. Tout le monde Styx. Je sais pas regarder les... Oh, je fais de la merde. Laisse tomber. Je sais pas regarder les coffres. Je fais de la merde. Il y a un truc à droite. Un coffre. C'est quoi ça à droite? Ah, d'accord, c'est pour éviter de... qu'on passe d'un truc à l'autre, ok, ça marche. Pour éviter qu'on gruge le jeu, quoi. Je me demande si on peut pas taper dessus avec... un marteau. C'est où mon coffre? Merde. Parce que je voudrais le marquer en fait. Comme ça on sait exactement où il est. Parce que là on est limité en mouvement. Il est juste là. Juste là. Comment... Là-haut? Est-ce que je peux arriver là-haut avec mes pouvoirs? Je pense, avec une potion, je pense. Non, j'en ai même pas besoin. Nickel. Nouvelle armure, ça fait un bail putain. Peau de guerre brune, 15% d'énergie gagnée par niveau de combo. Ah c'est bien ça. Plus 3 supplémentaires à la jauge de combo par coup porté. Mais c'est vachement bien ça. Putain, on aurait dû avoir ça plus tôt. Elle est jolie en plus. Elle est jolie. Moi, j'attends vraiment d'avoir... Ah tiens, on a ça en rouge, j'avais pas vu. J'attends vraiment d'avoir une nouvelle couleur. Alors, je sais qu'on n'est plus en samouraï, mais... Enfin, en chinois, pardon. En seigneur noir. Mais, ouais, je préfère faire comme ça. On l'était pendant très longtemps. Alors, attends... Là maintenant on est très haut. Du coup, je pense que on peut faire Grugeland. Je crois qu'on va être limité.
Ouais. On aurait pu s'arrêter. Non, 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 il y a des nuages exprès. J'en dis. On a bien tous les coffres, yes. Non, on n'aurait pas pu s'arrêter pour chaque truc parce qu'à chaque fois. Ok, on est passé. Ah, je crois qu'on peut tirer dans. Trop tard. Ok, bien joué. Oh là là. Non. Ah, putain. Nique ta mère. Non. Tout va bien? Mon portable. Je commence à le regarder, ça m'énerve. Bon, déjà ça. Mais Attends, on va voir ça là. Ah, voilà. Ah. Fallait que ce con de truc il monte quoi. Le truc qui m'énerve le plus je crois c'est de perdre des potions. C'est même pas vraiment de mourir en fait, c'est perdre les potions. Nickel. Nickelo. Nickelo. Ok, on y va. Continue en direction de la... De la statue. C'est quoi ça là-bas? Coffre là-bas. Deux coffres. Bonjour, ça va? Merde, je suis de la merde, pardon. En entrant dans la clairière, Phoenix fut accablé par un sentiment de perte. De perte et de conflit. Qu'est-ce qu'elle a encore? Il suffit de rallumer les feux. Ils sont les symboles de la guerre de Troie et les feux de vie éteinte sur le champ de bataille. Oh, moi j'ai voulu rester neutre pendant cette guerre. Aucune bille dans aucun camp. Jusqu'à ce qu'Hera mette cette ceinture magique. C'est elle qui m'a poussé à être du côté des Troyens. En plus, oui, nous on est... C'est pas une Troie, elle... Du coup... Donc du coup, ah je sais plus, ça fait longtemps que j'avais appris ça. Enfin j'ai appris ça, je crois que c'est même pas à l'école qu'on apprend ça. Les documentaires et tout. Bon bah, go là quoi. Ah attends. Bah c'est lesquels du coup qu'il faut faire? Ceux qui vont à droite ou ceux qui vont à gauche? Ah, ceux qui vont à droite parce que la flamme elle est à droite. Ok, d'accord. Alors, il y a... Oh putain. Donc, celui-là. Pousse-toi le cheval. Ok, donc celui-là. Après, celui-là d'après.
très bien. Celui-là, non. Celui-là, non. Celui-là. Celui-là, devant. Yes. 3, 1, 1, 2, 4, 3. Aïe, aïe, aïe. Putain, j'ai balancé mon téléphone. Ah, c'est pas grave, j'ai la tablette à côté. On va écrire. Ah, putain, alors. 3, 1, 1, 2, 4. Merde. 3, 1, 1, 2, 3, 4. 3. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah ouais, mais on sait pas où aller la machin, la harpe. Merde. Bon, c'est pas grave, c'est noté. Tu vois pas Kratos, non? Attends, il y avait un coffre, ouais, avec une arme. Ça m'intéresse. Pute quoi. Un peu bordélique, mais... Enfer. C'était un tout petit peu bordélique. Du coup, en plus, c'est celle qu'on utilise, non? Nombre de défunts, enfer. La lecture peut être aussi fugace qu'une étincelle, ou brûlée à jamais dans l'histoire, la lame de cette épée, brillardément de la promesse de la victoire. Ah bof. Pas très joli en fait. On verra la dernière variante. Y'a rien qui s'affiche là. Y'a rien. Vallée de l'éternel printemps. Ouh, c'est joli. Je peux pas les cibler quand je plane comme ça. Ah putain, tu me fais chier toi. J'arrive pas à te cibler.
trop loin. Se sentit toute petite auprès des deux géants. Des géants si grands qu'ils défiaient les dieux. Ils menaçaient d'écraser le mont Olympe sous une autre montagne. Bah, ils auraient dû. Et bien sûr. Donc là, on est en pleine science-fiction. Ah, mais c'est la... Oui, ils ont fait ça aussi avec l'histoire de Kratos, là. Il est avec les géants, là, pour détruire Olympe, je crois. C'est pas ça? Trois cristaux. Sûrement un... Ah. Là. Est-ce qu'on voit pas Atos sur les vases? Non. Comme dans God of War, là, celui-là sur PS4. Quand il trouve des vases de la Grèce, pour interrogation. Et il voit le dieu de la guerre, du coup, lui. Et il le cache. Il cache à son fils. J'imagine que là-bas, pour l'autre géant. Yes. Deux, trois, un, quatre, deux, quatre. Oh la vache! Alors, deux, trois, un, quatre. On recommence. Alors, deux, trois, un, quatre, deux, quatre. On va monter. Quand on sera sur... Il y a un cristal là-haut. Quand on sera sur la statue, on ira directement à l'art. Directement à l'arbre, comme ça, parce qu'on a deux trucs à découvrir. Ça, c'est un combat d'humain, ça. Je suis là. Si ça tourne mal, sois tranquille, on en tira. Un échec, il ne restera rien pour toi. Péché. J'ai pas vu que c'était ça comme monstre. Je crois que c'était le même type de monstre. Ah.
Pas grave, on va le tuer. Oh merde, les mecs sont tous morts. Je crois qu'ils sont tous morts. En dessous ? Ouais, en dessous. Ouais. Tchoum. Ok, tchoum alors. Ça, ça marche pas, ça. Je sais pas du tout si c'était comme ça qu'il fallait le faire, mais ça passe. Caisse de charge du soldat. Charge du soldat, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être en rapport du fait qu'il fallait faire la charge d'Athéna. Oh, on peut augmenter les casses. Qu'est-ce que j'ai pris cher? C'était surtout ma faute en plus. Je suis écrasé en bas comme un débile. On va passer par là. J'aime bien cet endroit. Cette zone, ce biome, j'ai envie de dire même. J'aime bien le terrain et tout ça, il est cool. Ça monte, ça descend, sympa. Ah, j'ai du mal. Oh la vache, vous m'avez gavé. Bordel, mais j'ai pas aimé le comment ça s'appelle, le mix des ennemis en fait. On s'est fait toucher, puis à un moment j'ai attrapé un arbre au lieu d'attraper un ennemi là, comme un débile. Les torches. On a des torches, on a quoi d'autre? Un autre.
ça peut rien. Oh la vache, d'accord. On va s'amuser. Je fais de la merde. Oh là là, concentre-toi, merde. Attends, comment on va faire? On va essayer de... comme ça et rougeâtre un peu, c'est joli. Très très belle. Voir du coup ça irait bien avec est-ce qu'on a la version, la dernière version pour ça? Non. Hein, non, on l'a pas. Bah elle est où? On en a qu'une seule. On n'a pas les autres versions d'armure de Gorgon. Intéressant. Je pensais qu'on en avait au moins une ou deux, quoi. Je crois qu'on va aller sur la statue maintenant. J'ai vu qu'il y avait une faille et tout, mais je voudrais faire... les harpes. C'est pas celle-là? Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle d'Arès, ça c'est des géants. Ah, voilà. Quoi ce bruit? Je pense que Arès ça va être plus facile. Je crois qu'on est en théorie en niveau de difficulté, on est censé faire Arès avant Héphaïstos. Je dirais, parce que si on regarde là, les bénédictions, bah quoique, non, on a fait ça, ça, après je dirais que c'est ça et ça en fait. Peut-être que je dis des conneries. Hein. Bon allez, c'est parti. Au-delà des grands pieds du dieu de la guerre, pieds destinés à réduire ses ennemis en poussière. J'aime bien les marques, c'est pour vous indiquer où aller en fait. Si jamais j'ai les mains baladeuses, pardonne-moi, Arès. Waouh, ok. Les lignes de la statue rendaient hommage au physique superbe et à la musculature impressionnante d'Arès. À côté de moi, il a pas le niveau, le bonhomme. L'antre de la guerre, site tourmenté de l'imposante forteresse d'Arès, ornée du squelette
des monstres vaincus et de gorges sans fond, ne conduisant nulle part. La plage, quoi. Ascension effectuée, dieu de la guerre. En observant le terrain du haut de la statue du dieu de la guerre, Phénix remarqua une bête si majestueuse qu'elle ne pouvait être un animal ordinaire. Ah bah ça doit être mon fils. Bon, c'est pas le plus futé de la caserne, mais je te parie 3 éclairs que Phénix va le trouver intéressant. D'accord. Alors, rencontre malchueuse créature. Ok, ça marche. Petite lyre. Ok, il faut qu'on fasse de la reconnaissance. Attends, fermez vos yeux, ça va être relou. Même pour moi, c'est relou. Mais faut que ça aille vite. Qu'est-ce que c'est con ce système? Enfin non, c'est pas con, mais bon, quand on l'a fait plusieurs fois, ça devient con, hein, comme toutes les mécaniques de jeu. Hein. Comme toutes les mécaniques de jeu. À la limite, il faudrait qu'on puisse les identifier sans avoir à appuyer sur la gâchette. Ça serait bien. Je pourrais pas le faire, la souris. Ouais, ça va peut-être plus vite en fait. Ah oui, non, c'est mieux. Bon, par contre, il n'y a pas le coup de la vibration, mais... C'est horrible à la souris, regardez pas. Ah bah, vous tenez mal à la tête. Une horreur. C'est encore pire, quoi. Là aussi, il y a une sorte d'île, apparemment. L'arpe est juste là. Oh mon dieu, j'ai mal aux yeux. J'ai capté un truc. Merde, attends, on va repasser à la manette. Merde, j'ai capté un truc, je le trouve plus. Ah. Ok. Je pense qu'on est bon. Non. Ok, je pense que ça suffit. Un peu la carte, à quoi ça ressemble. Alors, là on a une petite île, là on a une petite île. Ah mais non, mais c'est les îles des autres, non. On a une île, bah c'est tout en fait, on n'a qu'une seule île. Ok, bon, on va aller à l'harpe. Je l'ai vu où l'harpe? J'ai vu de mes yeux en plus. Oh merde. Ah là, je la croyais plus proche. Un truc que j'aimais bien faire ça, c'était dans Elden Ring. Même Zelda Breath of the Wild, c'est pareil. Mais récemment, c'était Elden Ring. Elden Ring, il n'y avait rien qui était marqué, en fait. Du coup, il fallait regarder avec vos yeux. Hein. Et du coup, de voir des... Oh, d'une force infinie.
porteur de boucliers aux bras puissants, chef des hommes justes, entends-moi. De là-haut, darde un rayon sur ma vie et offre-moi l'ardeur guerrière. Aux bras puissants, c'était surtout une grande gueule, oui. Pas moyen de l'envoyer dans sa chambre, le gamin. D'Elden Ring, ça qui était bien aussi, si vous preniez un peu d'altitude et que vous voyez, je sais pas, un château loin, une fortification, vous savez, des trucs comme ça un peu intéressants. Du coup, vous mettiez un marqueur et vous y allez, et du coup, ça faisait une autre aventure et tout, c'était vraiment cool. Elden Ring, pour ça, était vraiment superbe. Moi je dis celle-là. Merde. Ouais, c'était vraiment cool de faire ça. Beaucoup, beaucoup aimé. Genre l'exploration comme ça, vraiment top. Genre la découverte. La découverte, c'est top dans un jeu. Ne gâchez surtout pas ça. Parce que jouer à un jeu, vous pouvez le jouer plusieurs fois et tout. C'est pas vraiment un problème. Mais la découverte, c'est qu'une seule fois. Donc... ne vous spoilez pas ça, ne vous gâchez pas ça. Après, si c'est votre kiff de tout savoir en avance, allez-y. Mais la découverte, c'est unique. On va parler à un ours ? Toi, n'approche pas. Je suis Arès, le puissant dieu de la guerre. Je vais t'écarteler et réduire ta carcasse en poussière de mes puissantes pattes. Grand Arès, mon nom est Phénix. Je suis venu vaincre Typhon et j'implore l'aide du dieu de la guerre. Tu crois que ma puissante lame se met au service de tous ceux qui la réclament ? Ne me fais pas rire. Je ne voulais pas t'offenser, mais sans toi, je n'y parviendrai pas. Tu abuses de ma patience. Fuis, mortel, avant d'assister à ta propre destruction. Car je m'en vais me repaître de ton foie, de tes yeux, et terminerai ce funèbre festin en dévorant d'une bouchée ton piètre cœur encore frémissant. Ah, c'est quoi l'ours? Bon, d'accord, c'est la fin des haricots. Finissons-en. Découpe-moi en filet, ça fera moins mal. Allez, vas-y. Quoi? Non, non, calme-toi, je... Oh. Allez, soit c'est toi, soit c'est les autres. Let's go. D'accord. À mon tour, guerrière. Allez, viens me découper. Je ne suis qu'un poulet, une volaille. Je suis à la recherche d'Arès. Il n'est pas... Mais c'est moi, jadis le puissant dieu de la guerre. Et aujourd'hui, une pitoyable et craintive boule de plumes. Tu en es sûr? Est-ce qu'un ours crotte dans les bois? Pardon, je suis à bout. Allez, découpe-moi, j'ai trop honte. Mais tu es Arès. Toujours en première ligne à chaque combat. Sparte te doit toutes ses victoires. Qu'est devenue ta fierté? Tu es la violence incarnée.
Il ne veut pas l'incarner, toi, la violence, et me donner un bon coup de hache. Tout le monde se fiche de moi, maintenant. Depuis quand le puissant Arès s'inquiète-t-il de l'opinion des autres? Tu as remporté des guerres. Tu peux abattre Typhon. Je veux dire, tu pourrais t'occuper de la stratégie, non? Regarde-moi, je ne peux plus tenir une épée. Si je pousse un paca sur le champ de bataille, tout le monde éclatera de rire. Même Aphrodite, mon amour, m'a rejeté quand elle m'a vu. J'ai rendu à Aphrodite sa forme d'origine. Je crois que tu devrais retenter ta chance avec elle. Quoi? Une déesse à la plastique sublime et un poulet? C'est peut-être illégal en plus. Non, non, rien d'illégal. Écoute, mes amis soldats, les villageois, mon frère, ils ont tous subi la malédiction de Typhon. Et ils ont besoin de ton aide. Tu peux essayer de m'émouvoir tant que tu veux, petite fille, mais la vérité, c'est que... un animal comme moi ne peut pas t'aider. Aphrodite, c'est fichu. Et toi, tu ne ferais pas de mal à un poulet. Je ne donne pas cher de ton frère. Hé hey. Maintenant, laisse-moi me lamenter tout seul. Ce que je n'arrive même pas à faire, puisque les poulets sont incapables de pleurer. Juste une grosse boule de tristesse. À l'intérieur. Bon, je vais annoncer à Aphrodite que tu abandonnes. Qu'est-ce que tu as dit, là? Un poulet est une poule mouillée, non? Autant lui avouer que tu ne peux plus te battre. Oublie ton essence perdue, va. Tu ne seras plus jamais le même. Mais oui, dis-lui que je suis pathétique. Même si mon essence pouvait m'être utile, je ne vois pas comment une mortelle pourrait y accéder. Alors? Comme tu voudras. Mais, par curiosité, où se trouve-t-elle, ton essence? Là-dedans, sous les décombres. Mais il est impossible d'entrer. Même en se servant de cette lance géante? On va essayer. Hé, hey, l'ours, un petit coup de patte? Mais qu'est-ce qu'on fait? Ok. C'est cool parce qu'en plus on utilise nos pouvoirs et tout, donc ce qui est logique. J'avais peur de la cinématique, genre ce soit elle ou soit l'ours. Mais en fait non, bah, elle a les pouvoirs, donc c'est bien qu'elle les utilise. Donc c'est pas que du gameplay, c'est ça que je veux dire, c'est cool, c'est stylé. Il est content l'ours. Attention à la tête. Comme par hasard, elle était bien placée, cette lance. Puisque l'entrée n'est plus bloquée, j'y vais. Bah, si tu tiens à mourir, c'est ta vie après tout. Avant que tu partes. En toute bonne logique, tu n'as aucune chance. Mais, avec ma bénédiction, qui sait? T'as intérêt que ça soit bien, parce que... commandement d'Arès. T'es un guerrier... un dieu de la guerre, vas-y. Hé, l'ours, non. Va pas par là. Caca, c'est pas pour toi. On peut avoir l'ours avec nous, honnêtement. Vas-y, fais-moi rêver, vas-y, dis-moi que c'est un truc super bien, genre, on a 4 bras. Doublement de la durée de la jauge de combo avant initiation. Oh, ça tue, ah, ça, ah, va, ah. Oh. Ok, bon, Arès, t'es cool. T'es con, mais t'es cool. J'attendais une bénédiction, c'était obligé. Alors, comme ça, mon fils est un poulet, c'est logique. Depuis qu'il est né, c'est une déception permanente. Ah, les enfants, c'est pas facile, hein. Merde. Ah, mais je les connais, ok.
C'est parti. On pourrait augmenter... Ouais, non, on n'a pas besoin de le faire. J'allais dire, on pourrait augmenter le casque déjà, mais... C'est pas comme si... Oh, c'est spécial, ça. Ah, carrément ? Tu m'as directement mis la crypte d'Hadès, d'Arès ? Hadès. Arès. D'accord. Ok. Bon, bah, let's go. Dis-moi que c'est que des gros combats de fou. Moi, je veux que des gros combats de fou, c'est Arès. Mon dieu, c'est quoi c'est ? Attaque armée, activation d'oricalque. Ramasser. Quoi ? Attends, je comprends pas le... Abandon, ramasser... D'accord... Lâcher... Ah, abandon d'oricale comme ça, d'accord. Après, la truc, elle est trop grande, c'est ça? Ah, mais je peux la récupérer comme ça, ok. Ok, donc on a des cubes qui volent. LB. Faction de l'objet, d'accord, ça marche. Mais attends, reviens toi. On peut taper. Ouais, voilà. Ça nous fait voler. D'accord. Ah, il faut qu'on regarde les coffres. Attends, on va marquer. C'est normal ou ? Ah, voilà, merci. Bah. Y a, c'est bien, on dirait que c'est buggé cette crypte. Genre les icônes ils apparaissent pas dire ah là oui ils apparaissent pas directement sinon. Ok, il y a 4 coffres, regardez, vous voyez, voilà. Bon, alors après en fait c'est ça, après, j'ai envie de dire si ça nous permet juste de monter, je dis que c'est cool parce que comme ça, nous, on peut en profiter. Parce que nous, on peut s'élever très haut en fait avec nos pouvoirs, donc à la limite, on va pouvoir gruger pas mal de trucs, je pense. C'est quoi ça ? Je me demande ce que retiennent ces chaînes. Tout au fond, Phénix trouva une statue retenue par des chaînes. Une statue qui ressemblait fortement à Kotos, l'Hécatonchi. Faut dire Kotos. Qu'une centaine de bras, c'est ce qu'on appelle un bon indice. Ça, c'est l'essence. Ok. Oh, attends. On peut pas très bien les enchaîner, ou alors c'est moi qui tape pas assez vite sur la touche. Là, gruger.
là-bas. Ah, attends, tu vas me dire que le truc il peut voler? Yes, classe. Ah ok, on peut s'agripper au... au côté de la boîte, ça va. La question, c'est, ça va toujours être la même question. Est-ce qu'on a besoin d'une boîte ou pas? Si on n'a pas besoin de la boîte... Hop là, quoi. Je crois qu'on a besoin de la boîte. Merde. C'est un lourd, ouais, c'est un lourd, donc on a besoin de la boîte. Beau, quoi. Doucement. Mais sans déconner. Allez. Allez. Vas-y. Voilà, merci. Doucement, doucement, doucement. Merde. Bon, ça va, c'est pas trop chiant. Attends, je sais pas. On va voir si on, s'il nous faut vraiment une boîte en fait. Si, il me faut une boîte. Là. Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi, t'es limité en temps, toi? Tu fous de moi? Putain de merde! On aurait pu utiliser une potion, mais j'avais pas envie. C'est un marteau, c'est une enclume plutôt. Ouais, donc ok, il nous faut la boîte. Ah, on va s'amuser quoi. Dans
Nickel. J'ai hésité à... Après t'avoir échappé, je mènerai une guerre sans fin. J'ai hésité à me soigner, parce que je me suis dit à chaque fois, normalement, ils mettent des boules de soins pour ces types de donjons. Je suis en train de me dire, est-ce que... Nickel. Par contre, il faut aller récupérer le coffre. Et en haut, en bas. Ok, il est par-dessus ça. Il est là. Quoi? Ah, bonjour. Pourquoi pas les combattre? Ouais. C'est pas mal les combos qui restent très longtemps. C'est vraiment pas mal. Surtout que... Non, Eternity est vraiment cool. 7 supplémentaires là, comme ça, quand on bloque. Non, c'est vraiment cool. Bon, par contre, faudrait juste revenir, moi. Il nous reste 2. On va faire celui-là en face. Je sais pas si je peux. Est-ce qu'on peut gruger et passer directement par-dessus? Cet endroit ressemble à Arès. En désordre, dangereux et d'un très mauvais goût. Qu'est-ce qui t'agace autant chez Arès, exactement? J'espérais mieux de lui. Il se lance dans la guerre tête baissée. Tellement brouillon que ses adorateurs en deviennent fous. En plus, il ne sort jamais les poubelles, même quand Hera lui demande 3 fois. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je me suis habitué à force. Il est peut-être coupable de toutes ces choses, c'est vrai.
Ou peut-être cherche-t-il à impressionner son père. Il veut que tu le prennes au sérieux. Non, non, il pense qu'à sa pomme. A jamais imaginé le foutoir qu'il laisse derrière lui. Comme un gamin qui aurait jamais grandi. On dit que l'imitation est la forme la plus sincère de flatterie. La forme la plus sincère de flatterie, c'est d'enlever quelqu'un pour passer du temps avec lui. Si tu en doutes, demande à Ganymède. C'est de la merde. Mais on peut le faire. Après, ça veut pas dire qu'on aura une caisse pour la chaîne, mais bon, on va voir. Hop là. Il est où le coffre ? Il est là. Ah, il nous faudra une caisse. Il nous faudrait une caisse. Fais voir ce que t'as là. Nickel. C'est quoi le but là, en fait? Comment on fait avancer les caisses? Bah c'est bon. Bon. Je pense qu'en fait j'imagine qu'il faut utiliser en fait chaque caisse pour avancer plus ou moins. Bon, il reste plus qu'un coffre là-bas. D'abord, le coffre. La guerre ordonne son règne. Parfait. Non, rien à foutre, c'est bien. Ça. Oh, cette fois c'est une boule, on va pas pouvoir gruger. Merde.
Par où on commence? Par là. Comment on récupère une boule? Attends, moi j'ai envie de faire ça. Ok, presque. Putain, ça va trop loin quoi. Bingo. Enfin, je sais pas si ça nous aide en fait. Du coup ça fait réapparaître ça. Ok, boum. Deuxième, là. Ouais, là, ok. Ah bah c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Bon bah ça va, hein, niveau rapidité ça va. Je ne resterai pas enfermé à jamais, Typhon. Une fois les chaînes brisées, la statue monstrueuse sembla prononcer son nom. Ah bah... Ah merde, putain, je voulais pas m'approcher trop près pour éviter de déclencher une cinématique. Kotos. T'es moche. Wow. Voilà. Putain, je me bloque. C'est bien les drogues. Enfin les potions magiques, pardon. Les potions magiques. On n'est même pas à la moitié de la potion. Hey. C'est qui Hermès? Hercule? Saura ce qu'il faut faire. Si Ligiron n'avait pas été pétrifié, il aurait déjà l'essence et probablement aussi une médaille. Un effort, Phénix. Sois pas aussi difficile envers toi-même. On défonce tout. On massacre tout. Ça va.
Bon, Pouleman, là, on a un problème. Eh, hey, c'est pas à toi de jouer. Arrête de pleurer. Et fais mieux. J'ai fouillé la crypte et... quelqu'un est passé avant moi et a volé ton essence. Le voleur peut être n'importe où maintenant. Et ben voilà, c'est fichu. Échec, fini. Merci, bonsoir. Et qu'est-ce que je dis à Aphrodite ? Que je suis parti pour aller me faire écraser par un char. Il aurait très bien pu finir en croquette. Bon, d'accord. Attends. Je doute que ça marche, mais on pourrait suivre le voleur par Amazon. Je veux dire mes filles, les Amazones. Ah, d'accord. Elles ont un système pour suivre les choses. Comme une pièce ? Ça pourrait marcher, oui. Comme Amazon ? On ne t'emballe pas pour autant, elles ne veulent plus me parler. Une longue histoire. Mais j'ai reçu comme offrande un appareil de suivi d'Amazon. Il est dans ma forteresse, où je ne peux plus entrer à cause de Typhon. Ah, le sort s'acharne. Comme le dit mon père, j'ai une cervelle d'oiseau. À moins que... À moins que... Que le son de ma salpinx puisse ouvrir la porte. Je ne voulais pas que Typhon y pose ses tentacules, alors je l'ai caché. Ta salpinx, hein ? C'est quoi ça ? Il va falloir que je trouve un air à jouer. Tu te prends pour qui ? Pour Aphrodite ? On ne souffle pas à tort et à travers dans un instrument guerrier. Essouffler n'est pas tout. Il faudra jouer la mélodie en hommage à Typhon pour ouvrir la porte. Oh, vraiment ? C'est quoi cette mélodie ? Typhon n'est pas un vaniteux banal. Il a contraint Pan à composer un air en son hommage et à manipuler ma porte pour qu'elle ne réagisse qu'à lui. Pan a créé le morceau dans un trou, quelque part. C'est à toi de trouver cette mélodie. Quand tu auras tout, et si tu es toujours en vie, joue cet air à la porte de la forteresse pour l'ouvrir. Et elle est où la mélodie en mon hommage à moi ? Eh ben, on l'entend à chaque banquet, après un bon plat de musicien. C'est compliqué hein, quand même. C'est compliqué, hein, tout ça. Ouh. Coffre où ça ? Coffre là. De vous être réunis. Pratique. Il y en a deux. Ah merde, ok. Flamme, ceux qui sont à droite, donc c'est... Premier... Ok, d'accord. Mais je vois rien quand je rentre dedans. Non, c'est pas celle-là, celle-là à droite.
Et après, celle-là au fond. Donc si c'est pas celle-là, c'est laquelle ? Parce que là, j'en vois que 4. Normalement, il y en a 5. Ah, trouvé. Et je vois pas pourquoi je me faisais chier à faire ça, parce que nous on peut complètement forcer le laser. On peut complètement forcer le laser, donc bon, on s'en fout un peu. C'est pas mal. Mur de bronze. Donc on doit aller où ? On doit aller très loin. Après j'ai vu qu'on pouvait se téléporter. On n'a qu'à... Non, on n'a qu'à se balader. Comme ça on fait les choses qu'il y a sur le chemin. Ça va, t'as des ailes. Ah, ah, t'as des ailes, l'oiseau, le cheval. Tu veux vraiment combattre? Oh la vache. T'as eu ta chance. En approchant du bord de la falaise, Phoenix ressentit un grand pouvoir. Oh, wow. C'était les Moires, les trois tisseuses de vie et de mort. Je n'en reviens pas de l'insolence de mes filles. Aucune Moire ne devrait être plus puissante qu'un dieu. Une fois que Clotho a tissé le fil de la vie, la Késis en mesure la longueur. C'est ça ? Et Atropos le coupe. Personne ne peut rien y faire. Atropos ? Toi-même, toi, Zeus. On va pas te tuer ? Ça me dit quelque chose, ces noms-là. Attends, où est-ce qu'il faut aller ? Sans déconner. Faut passer à l'intérieur, sans déconner. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. Nick, toi. Faut que je regarde ce que c'est, là, la marque. C'est quoi, ça? Non, faut, c'est bon. Alors, fais voir un peu. Je suis sûr qu'on a déjà défoncé ce qu'il y avait là. Ça me dit quelque chose, ce terrain.
déjà défoncé ce qu'il y avait là. Atropos. Force d'Eolos. Oh là là, ils peuvent pas avoir des noms faciles à prononcer eux. Alors, donne-moi. Ça marche. Et sans déconner. Sans déconner. Alors là, je sais pas quoi dire. C'est un flipper, quoi. Ah, je sais pas. Ah merde. Ah putain. La dernière fois que j'ai joué à un flipper, c'était quand j'étais sûrement heureux, donc ça remonte. Putain, toi. Oh, en plein milieu. Vas-y. Me dis pas que les caisses apparaissent. On peut pas. Putain, je peux rien faire. Oh là là, je peux pas foncer là-dessus et genre aller casser les. Aller casser les caisses. Voilà, très bien. Okay, j'imagine qu'il faut mettre la boule dedans en fait. Merci. On va avoir plusieurs boules. C'est magnifique. La boule en feu qu'il nous faut en fait.
caisse. Non! Oh les putes. Oh, bah. Cool. C'était pas du tout voulu. Ça quoi ça? Ah. Ah là là. Je vais être honnête, c'est marrant, hein. Mais ça prend 3 siècles en fait, donc je m'amuse pas vraiment là. Ah putain, faut que tu touches le bord. Oh mon dieu, tu vas pas me dire qu'elles sont toutes, toutes coincées quoi. Oh, enfin. Oh putain. Nique-toi, nique-toi, nique-toi. Ah! Là c'est bon. Pam. Oh non, c'est pas assez. Yes, c'est assez. Bon, c'était... Allez, je vais être honnête, c'était sympa. J'avoue que c'était original. J'avoue que c'était original. J'aurais pas pensé voir ça. Mais c'est trop long. Trop trop long. Grave trop long. Oh, là, ça m'a fatigué quoi. Regarde mieux. Phénix sentit que le brouillard pouvait cacher d'autres secrets de noir sous les falaises. Ouais, c'est pas des conneries plutôt. Sentit que je pouvais cacher autre chose dans le brouillard. Ouais, non, j'ai l'impression que c'est des conneries. Au moins qu'on ait déjà récupéré la chose, mais...
regard. Je me demande si c'est pas notre dernier fragment de vie à récupérer. Je crois qu'il en faut 9. Ah non, non, c'est peut-être l'avant-dernier. Bonjour. Oh la pute. Oh là là. Je me suis loupé en faisant ça là, j'ai pas réussi. Oh, même ça, ça fait des effets rouges du coup. Quand on met très haut en combo. Fuite d'Atalante. Oh merde. Oh, faut jouer sans endurance. On peut pas sauter, on peut pas faire un sprint sauter en fait. Quand on n'a pas d'endurance apparemment. Ça marche pas. Après je pourrais complètement utiliser des potions pour me remettre et permettre de... Enfin, quoi que non, ça me ferait juste 5 barres. Oh non, on va faire comme ça. J'ai pas marqué où il y avait le coffre. Sans déconner. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est grand. Je peux pas arriver en haut. Non, je peux pas arriver en haut. Attends, mais dès que ça te touche, ça te met à zéro en fait. C'est super rapide. Mais je vais pas y arriver en fait. Non, si, si on peut. C'est juste moi qui ai mal fait là. Ah! Putain, en plus ça tombait quoi, genre 5 secondes, enfin une seconde après. Ah, ça va me gaver. What? J'étais au...
qu'est-ce qu'elle est bien cette faille. Oh là là. Oh, oh le fun. Oh le fun. Ouais, non, mais c'est bon. C'est bon, j'ai eu ma dose. Merde, je crois qu'on est... Merde, je crois que le jeu nous a eu là. Attends, si je peux me mettre au bord... Ouais, non. Merde. Bon, ça va, on va le faire normalement. Aïe aïe aïe, écoutez, cette faille, c'est de la merde. Bien te faire mettre. Bien te faire mettre. Genre, bien, mais bien, 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 bien. Non. Putain, ta mère. Putain. On peut remonter plus rapidement en faisant un sprint. Non, non, non! J'ai utilisé une potion. Yeah.
augmente. Je crois que j'ai merdé. Nectam. Ouh. Ouh, que c'est fun. Ouh là là. Ouh, que c'est fun. C'est sérieux, il va falloir aller là-bas pour récupérer ce putain de coffre. Sans déconner, quoi. Oh la vache. Bien que je vois la distance, en fait. Trop simple en fait, trop simple. Je suis en train de regarder ce qu'on peut faire. Mais saute! Parce que des fois on fait un sprint en fait, fait un dash et elle veut pas sauter en fait. Par contre, je veux savoir comment on monte. Hein. Je fais quoi? Non, je peux pas sauter de là, ça fait trop loin. Ah, il y a du vent là-bas. Non, c'est pas du vent. Attends, vas-y, il faut que ça finisse. Là-bas, il y a un truc. Non, mais c'est une horreur, cet endroit. Ah là-bas, je sais pas comment je suis encore en vie, quoi. Mais bon, là, on peut faire une pause ou faut que je continue comme un bourrin là? On a au moins le coffre. Hop, la vache. Ouh, mâchoire de guerre brune. Nouveau casque. Alors, 28% de dégâts avec le courroux d'Arès. C'est bien, 40% de destruction avec le courroux d'Arès. C'est joli, ça. C'est un peu comme ça, mais... d'Athéna, quoi. Sympa. On peut pas monter hein, là-dessus. Là, je vais pas pouvoir rester. Ouais, je sais. Ah.
Je sais. Champignons, potions, etc. etc. Mais là, là j'en pouvais plus. Faille de merde, quoi. On a bien tout. Hein. Grosse faille de merde. Je vais voir un peu les champignons. Voilà, on s'en fait. Ça. Qu'est-ce qu'on va s'arrêter là? Je crois que j'ai eu ma dos, je suis en train de... Genre ma jambe trembler et tout ça. Je suis énervé. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça m'a... Fou. On n'a pas assez de... Ouais, nous en faut mieux. Ferme ta... Oh, ferme ta bouche, toi. Ferme ta bouche. On a fini. Cours, Phoenix, cours. Ferme ta bouche, toi aussi. Là, nickel. Nickel. Ça va, je crois. Ça va, on commence à être bien là. Voilà, comme j'ai dit, on commence à utiliser de moins en moins de potions. Ça, ça fait un moment déjà, mais c'est pire en pire en fait. Même pour les boss, on pop une potion d'attaque et c'est bon. Quoi. Tout le monde qui meurt. Si on parlait à machin, là, pas quelque chose à nous dire. Alors, Arès et toi... Je sais. Je ne comprends toujours pas comment Typhon a réussi à le réduire au format poulet. Il m'enivrait de récits guerriers jusqu'à tard dans la nuit. Nos cœurs battaient à l'unisson. C'est un conteur, comme moi? Non, plutôt un acteur. Il me régalait encore et encore. Okay. Et quand il pensait ne plus pouvoir me régaler, je trouvais un moyen de lui prouver le contraire. Ah, je vois. J'aime qu'on me régale. Oui, oui, on a compris. Ok. Je crois qu'elle parlait de sexe. Je ne comprends vraiment pas l'attrait d'Héphaïstos pour les objets. Je veux dire, je peux être devant lui sans qu'il me regarde. Il était si préoccupé par la fabrication de la boîte de Pandore qu'il n'a pas vu la boîte qui était en face de lui. Quoi ? Phoenix ! Tu ne m'écoutes pas quand je parle de moi ? Je sais pas... J'ai libéré l'espoir, mais je me sens moins comme une héroïne que comme quelqu'un contrôlé par une force extérieure. Tu vois ? Un peu comme si quelqu'un situé dans un avenir lointain nous manipulait tous. Ouais. Oh. Tu sais quoi, Hermès ? On va continuer à communiquer le moins possible. Parfois, tu me fais peur. Vous devriez peut-être, Héphaïstos et toi, vous concentrer sur quelque chose de plus réel. Ça m'embête de le lui dire, mais ils ne sont pas réels du tout. Ah, oh, j'en peux plus. Ouais, va laisser le quatrième mur pour Kojima, en fait, quand même. Il le fait quand même un peu mieux. Donc, laissez ça pour Kojima. Alors, on va gagner 2% en pouvoir divin, dégâts et 50 et 10% de plus en étourdissement. Donc, ouais. Bah, vous savez, on les one-shotait déjà. Bon, on va pouvoir les one-shotter encore. En étourdissement, je parle. Ça va ? Si tu cherches à acheter quoi que ce soit, dis-le-moi. Alors, comment ça se passe avec Arès ? Merveilleusement. Formidable. Je ne connais pas de meilleur dieu qu'Arès. J'ai créé une lance rétractable. Comme ça, quand il frappera quelqu'un, la pointe rentrera dans la poignée. Je pense qu'il sera divinement surpris lorsque son ennemi lui plantera sa propre lame dans le ventre. Pardon ? Oh ? J'ai pensé tout. Ah, il l'aime pas, quoi, en fait. D'accord, j'ai compris. Quand je pense que j'ai rencontré le dieu de la guerre... Arès. Enfin, il est quand même mieux qu'Apollon.
Le vrai Apollon est sur l'île d'Or ? Phénix, il ne faut pas parler... il ne faut pas parler d'Apollon en présence d'Athéna. J'ai tellement hâte de le rencontrer. Le dieu de la musique, de la danse, de la vérité, de la poésie. Oh, la poésie. T'as fini ? Non, il y a une vingtaine d'autres choses. Il est loin d'être aussi parfait, et il n'est pas sur l'île. Et sache qu'il n'a pas de permis pour conduire ce char, et... Attends... Tu me fais marcher, c'est ça ? Oui, totalement. Oula. J'ai pas trop aimé comment elle nous a regardé. Elle avait l'air un peu énervée. Elle avait l'air furax, la dame. Ah, oh, si, si, c'est notre dernier. Oh. Oh. C'est pas grave, on va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois, du coup. Donc, prochaine fois... Ça, ah, oh, il y a un truc juste là, quoi. C'est pas grave. On continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Moi, faut que je fasse une pause. Ah, ça m'a... Ouf. Ça m'a énervé. Ça m'a littéralement énervé, cette dernière faille. Ouais. Je la trouve très très conne, en fait. À la prochaine.